Salut tout le monde, c'est Trop Foresti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, il y a le feu qui fume un peu. Donc je sais pas ce que je viens de le démarrer. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau joujou. Une popote. Alors c'est une popote de chez MSR. Juste ici. Voilà. Donc c'est une popote de 775 ml. Son nom c'est Alpine. Stowaway Pot, voilà. Donc elle pèse 365 grammes. Bon, là bien sûr, elle est un peu plus lourde parce que j'ai rajouté des accessoires dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et elle est en acier inoxydable. Donc j'ai pas pris aluminium. Pourquoi ? Parce que l'aluminium au feu, bah ça se déforme et c'est pas fait pour aller au feu. Voilà. Alors que ça, ce sera solide, ce sera super. Donc comme vous pouvez le voir, ce sera une fermeture avec un petit clapet. C'est juste ici, donc c'est super parce que c'est un système de compression, donc on peut mettre des choses dedans sans que ça s'ouvre dans le sac, donc c'est super et ça compresse vraiment tout qui est dedans. Par contre je pense qu'on peut aussi la fermer quand on la met sur le feu. Par exemple, vous la fermez, vous mettez une petite ficelle là et vous la soutenez au-dessus du feu parce que il n'y a pas de joint sur la popote, donc la pression s'échappera par le jeu qui a il y a un léger jeu qu'il y a dans le couvercle. Donc le couvercle, bah, toujours en acier inoxydable. Donc dedans, j'ai mis un petit sachet de muesli. Donc c'est du lait en poudre avec des céréales et un peu de chocolat. C'est un truc que j'ai récupéré dans une ration de combat. Bah, dans mon ancienne ration de combat. J'en ai une nouvelle. J'ai ma cuillère en bois. Un peu pourrie, j'avoue. Mais elle est bien. Faut toujours servir. Après, j'ai une paire de sacs poubelles pour pouvoir ranger... Bah, mettre à la poubelle tout ce dont je me suis servi. Je vais juste regarder une poubelle. Il y a un petit coup de feu. Je vais leur démarrer, c'est pas grave. J'ai des sachets de café et de sucre en poudre. Donc le café en poudre aussi, voilà. Je cherchais le nom. Et mince. Voilà. Et une paire de couverts pliants de la marque Ken Blade. Voilà. Et des petits sachets de thé vert à la menthe. Voilà. Donc vous avez également le système de serrage du couvercle qui sert de poignée. Donc il y a un petit système de bloqueur qui est juste ici. Vous venez le coincer et ça sert de poignée. Donc c'est vraiment super. Je ne l'ai pas encore testé sur le feu parce que je voulais vous la présenter avant pour garder tous les autocollants, tout la popote qui soit belle encore. Donc voilà, donc je vais la tester justement aujourd'hui si le feu veut bien continuer à brûler. Et là, je suis actuellement au camp Bushcraft. Si vous ne voyez pas, ça se voit pas, non. Je suis au camp Bushcraft, je vais faire une réserve de bois avec des rondins. Donc je ferai une vidéo à part de celle-là pour vous présenter ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur cette popote vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à lâcher un com. Et je voulais aussi remercier Forestcraft, donc Alexis, pour le soutien qu'il m'apporte. The Will Stork, Mika, l'indomptable dauphinois. Et il y a une chaîne qu'il faut que je vous présente, je sais plus comment elle s'appelle, c'est École de vie avec la nature. C'est Alban, je sais plus comment il s'appelle. Je vais mettre le lien dans la description, vous irez voir. C'est une chaîne qui est vraiment super, une chaîne de bushcraft, un peu comme la mienne, qui vient de débuter. Et je voulais aussi également remercier Céline Bushcraft qui commente beaucoup de mes vidéos, c'est sympa, qui s'est aussi abonné, c'est super. Et aussi la tribu des bois, merci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss !